Pas pour la serre, pierre des marches chaloupées. Je suis le prince de Bel Air, je suis le prince de Zamunda. Je suis la verre sur ma ligne. Je coupe la viande de chez mon boucher à la guillotine. Je suis. Rejeter de la télévision, c'est pas grave. Il revient après 5 ans de prison. C'est Zerac, bien sûr. T'as sorti un disque là récemment. Ouais, il y a 2 mois, je suis dans les dates. 2 mois, 3 mois. Au début, un petit peu avant l'été, je crois. Maintenant, je suis chaud. Exactement. Est-ce que ça sous-entend qu'avant, tu n'étais pas chaud? D'ailleurs, je dormais, excusez-moi. Faut prendre soin de soi un peu. Voilà, et au moment où j'ai retrouvé du poil de la bête, je me suis dit, ah, je suis chaud. Je vais faire ce mot. Ouais. Il y a eu un morceau aussi avec 25G. Oui, bien sûr. Redneck du terroir, pour tous les mecs qui font du rap en forêt. Je crois que dans ce morceau, il y a pas mal de grossièretés. Oui, on va dire qu'on est dans le gras, c'est gras. Oui, il y a du langage ordurier. C'est gras. Mais ça passe très bien. Et donc, tu es venu avec un t-shirt de Clifton. C'est un de mes groupes préférés. Est-ce qu'on peut parler un petit peu ALPHA, tout ce crew-là? Ils sont de Joinville-le-Pont, bien sûr. Ah, c'est la ride à la française. D'où le nom, en fait, qui était à la base Smith Town, la ville du joint, Joinville. Pas mal, c'est devenu Smith Town. Après, il n'y a plus rien. Moi, je me suis arrêté à Giscard, qui prenait sa Ferrari, oui. Et qui se la mettait droit dans le platane. Pour quelle légende du rap, toi, tu sauterais la barrière? Iggy Azalea. Ah, ouais, tu sautes la barrière, tu pousses tout le monde. Et j'arrive sur scène. Je suis sur scène Péréo. Il y a une émission spéciale Driver à Chambéry. Il y en a une qui, que je dise pas de bêtises, au niveau des horaires, tous les dimanches de 22h à minuit. Ouh, j'aurai mon créneau à moi tout seul. Est-ce que tu fais ce que tu veux ou il y a une thématique? La thématique, c'est de faire des spéciales artistes old school. Ah ok, des portraits un peu. Voilà, mais c'est moi qui choisis. D'accord. Est-ce qu'il y a un spoiler de Ja Rule pour commencer? Ça sera fait. Ouais. Je pense pas que ça sera la première, faut que je tape très très fort. Je suis encore en train de réfléchir. mais Ja Rule, ça sera bien aussi. Bien sûr. J'aime bien ce petit. Ça précise. Attention. Ça précise. Attention, Raphaël. Toi qui es une légende du rap, c'est quoi tes groupes de rock préférés? Sun 41. Ah, Sun 41, bien sûr. On rejoint la Californie. Voilà. Il y avait ce truc où le mec disait Give it to me, baby! Ah oui! En spring, bien sûr. J'adorais ce morceau. En spring. Mais tout le monde me disait ah, les requins, c'est de la merde, pourquoi t'aimes ça? À la fiche, je rentre en scène. Bonne réponse à Marlanette! Elle connaît tout! Elle connaît. Bon, ben je vais m'en aller! C'était peut-être le seul truc que j'aurais pu gagner, je l'ai pris! Caballero et Jean-Jacques face à Driver, faut le faire! T'auras pas la petite homie! Non, personne ne t'aime, t'es comme la police! Mais du reste, non! C'est pas de la concolon, c'est du parmesan! Mais du reste, non! Que des menteurs, c'est comme au Parlement! Mais du reste, non! Merci! Bisous, bravo Bernadette! Bravo! DJ Hervé, c'est à 22h! John Bender! On the jump! L'ambiance est bonne. Et même si tu me cherches, je veux dire on trouvait la casa de bouteille, 38, je vois j'ai rien à prouver. Rien à foutre des baracons, quand j'ai le meilleur endroit du monde, c'est mon PMU de quartier. Ce soir, on est tous là, on est chaud bouillant. Est-ce que vous êtes en forme? Oui! Plus fort que ça. Jacques Chirac, j'en fous ta baguette, fous ta baguette. C'est ça?
c'est que, bon voilà, bah, vous avez quand même, c'était sympa. Est-ce que c'est une casse au moment qui a dit que j'ai foutu la table sur les pieds? Et s'il vous plaît, un dernier bisou pour Jean-Flac, Driver, etc. qui était là ce soir. Merci. Au Summer Camp, bien sûr. Merci.